entendu que vous alliez être un jour le futur premier ministre du Québec. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. C'est une bonne question. Je pensais énormément le vouloir à un moment donné, mais je sais pas si je serais apte pour ça. Je pense que les gens ont soif d'un leader, d'un homme ou une femme qui va rentrer à la télévision. On n'a pas ça au PM, ici, à Québec. Un gars qui s'adresse à la nation une fois par semaine. On n'a pas ça. Ça serait une autre affaire tout de suite. Ça coûte rien, puis je pense que les gens veulent ça. Est-ce que ça serait comme l'avocat et le diable à la population? Non. Ça serait toi. Il n'y aurait pas de Richard Desmarais. Ça serait sûr. Pour devenir PM, il faut que tu sois membre d'un parti, le PQ. Là, pendant des poignées, PQ libéral, Québec solidaire, je te vois plus ou moins. Ben, c'est encore droit. Ah oui? On est rendu là, là? Non, mais j'ai beaucoup d'idées de gauche. Je suis pas un gars de droite, mais je suis pas un gars de parti, non. Le mariage gay, je suis pour ça. L'avortement pour le choix, je suis pour ça. L'interventionnisme économique, je suis pour ça, je l'ai fait ici. Moi, j'ai eu une approche très communiste. C'est le maire qui achète les usines, c'est le gouvernement municipal qui est devenu le moteur de l'économie. Mais il y a beaucoup de missions du gouvernement qui ne devraient pas être là. On ne peut pas tout faire. La santé, l'éducation, oui. La sécurité publique, moi, je me garderais le ministère de la sécurité publique pour moi. Pour toi? Il y aurait beaucoup plus d'embauches. Mais là, tu connais policiers. Les préjugés, là, les gens induisent. Je me fiche que des préjugés. Dans tout le Québec, à 11h, les jeunes en bas de 18 ans, ils sortent plus. Non. La loi 101, ça reste-tu sous Gendron? Je suis un peu indifférent à ça. Tu t'en fous, même si tu sais que ça peut pas, faire ben, écoute, là, ça fait 400 ans, 500 ans qu'on parle français. Je crois pas que ça va diminuer demain matin, encore plus si l'immigration vient en région. Moi, je pense que j'ai ce potentiel-là d'aller chercher des gens dans leur salon, de m'identifier à leurs problèmes parce que je les ai vécus. Ici, on fait de A à Z, on touche à tout, on a défendu le col bleu, on a relancé notre ville. Moi, là, Paul Desmarais appellerait là, quand je serais PM. Tu peux être sûr qu'il attendrait sa vie. Je m'entoure de gens plus compétents que moi, comme j'ai fait ici. Ces génies-là, là, à part vivre la liberté que ça va dans le ciel? Là, non, mais il y en a. Il y en a. Dans fonction publique, il y en a. Moi, à l'hôtel de ville, ça a pris 4 ans avant de me faire une équipe. Puis c'est évident que j'amènerais mon équipe avec moi, puis je me grefferais d'autres personnes. Beaucoup de personnes jeunes. Fait qu'on parle de 2000 combien, là? 2000, tu vois, on est en 2009. Moi, j'ai toujours dit 2012-2013. C'est le, pas longtemps, ça, là. C'est le calendrier des Mayas. Ça sera la fin, mais la fin de Jean Charest. C'est pas toutes des lumières, là. Il y a bien des cruches. Puis tu peux aller. Je dis non, mais tu peux aller chercher le meilleur élément à l'extérieur du Parlement aussi. C'est style Parlement, là. Il n'y a pas de critères pour être élu. Secrétaire d'État. Oui. Il n'y a pas de critères pour être conseiller municipal, pour être député. Le gars sait pas lire, sait pas écrire. Il a jamais vécu. C'est un reflet de la population. Ben oui, mais je te dis pas que c'est la meilleure solution de gestion. On gère des entreprises, on gère des millions. Tu sais, le gars qui sait pas lire, qui sait pas écrire, comment tu peux lui transmettre l'information? C'est plutôt un peu. Moi, là, je dis à la blague, le prochain politicien qui se présente à la porte et dit ou dans un pamphlet, je vais baisser vos taxes, crissez-y votre coup de poing sur la gueule, va-t'en en courant avant que je te saute dans le visage. T'es un maudit menteur, c'est pas vrai. La pinte de lait augmente, le steak haché augmente, mais les services municipaux, ça augmente pas. Quand tu rouvres ton robinet, là, le gars qui travaille à l'usine, lui, son coût de la vie augmente pas. Les fonctionnaires, eux autres, c'est des bénévoles, c'est des imbéciles. Il y a juste nous autres qui travaillent pour rien. Si vraiment je me lance en politique, c'est pour rebaser tout sur la famille. Le Québec pourra pas survivre si on n'a pas des enfants puis qu'on s'en occupe pas. T'as beau donner un chèque là, quand t'es rendu à payer pour avoir des enfants, ça c'est pas une bonne idée. Tu peux pas laisser aller ton enfant à l'école le matin avec un habillement de putasse. Tu fais t'imposer ça comment? Ben voilà, ça se discute même pas. Tu dis à l'école, ça va être de même. Ben non, je sais pas. Ça va à la maison après. Non, c'est l'inverse. Il faut que tu l'imposes sur les parents. Dis, si tu décides de mettre des enfants au monde, ça va prendre un ministre de la famille, un premier ministre qui dise hey, comme Barack Obama a dit, on fait pas des enfants pour les planter devant la télévision le soir. Alors, poussez-vous et mange, faites-les les crises de devoir. J'en ai 41. Tu vois, je vais sortir de la politique à 53 ans. Et j'aurai un cancer à 60 ans. Ça m'aura laissé 7 ans. En tout cas, j'ai bien hâte de te voir premier ministre. Oui, sérieux? Ben oui. Mais en tout cas, au moins, c'est concret. Ça, je te donne ça, là. Ben, je pense que les gens veulent ça. Si TQS a besoin d'argent, tu leur fais-tu un chèque? Ou tu dis arrangez-vous? Ben oui, t'es rendu premier ministre, c'est une mission de la culture, il fait tout. Moi, je suis pas un partisan. CRTC, il fait quoi? On amène ça à Québec, qu'on s'en occupe? Non, c'est des entreprises privées. Ils sont capables de se défendre eux-mêmes. Moi, je suis un gars vraiment cas par cas. Gauche-droite, ça va dépendre. Mais ça a un avantage, c'est sûr que ça aide parce que tu vas chercher le monde. C'est un gros inconvénient, c'est que c'est dur à expliquer à une couple de phrases. Oui, ben oui, mais j'espère que c'est dur à expliquer. C'est ça correct, que tu vas expliquer au monde, c'est dur à expliquer. Ben, il faut que. Non, mais t'es imputable devant la population quand t'es PM.
Ou tu peux avoir des faiseurs d'images qui vont rédiger ton discours, puis tu juste à peser sa, le piton pli, puis c'est la cassette. Mais t'es prêt à manger les éclairs, puis tout ça, là? Ben tout oui, ici, si, regarde, là, plus, ça puis... fait 15 là, qui passe, qui nous insulte. Il traite de trou de cul en anglais. Je me suis fait étrangler en pleine rue. Voyons, il y a un mois et demi. Le gars a été arrêté par la police. Les petits vendeurs de drogue, là, puis c'était le premier du mois, puis ils profitaient du chèque du BS pour vendre. On est allés, puis ils m'ont pogné de même, puis ils m'ont levé. C'est de même. Je me suis fait frapper après un budget, puis... Ben moi, le conseil que j'ai donné, deviens PM au plus vite, tu vas avoir des gardes du corps autour de toi. Faut être prêt à mourir pour sa patrie. Ça en sera la finale. Ça, je peux pas.